Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'île Maurice. C'est un véritable paradis. Mais le mot paradis pour cette 6e édition de la Beachcamber Aventure a un double sens puisqu'on est accueilli à l'hôtel Paradis Beachcamber. Et vous allez découvrir dans quelques instants 12 agents de voyage, 12 femmes qui ont gagné leur place pour s'affronter dans cette Beachcamber Aventure. Et imaginez, elles viennent de poser le pied sur l'île Maurice. Elles descendent de l'avion et elles ne savent pas qu'avant d'arriver à l'hôtel, elles vont disputer sur une petite plage une première épreuve, histoire de se jauger. Et puis, elles découvriront aussi leurs deux capitaines, les capitaines des deux équipes, deux anciens aventuriers mythiques de Koh-Lanta. Je veux parler d'abord de Maud, la dernière gagnante de Koh-Lanta, et puis ensuite peut-être du plus beau, Laurent, l'aventurier qui a gagné Koh-Lanta et Danse avec les Stars. Vous êtes prêts à suivre ces 12 aventurières? Venez avec nous, la Beachcamber Aventure, 6e édition, c'est parti! Tirez! Go! Allez, 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 allez. C'est Morgane. 40 secondes. Tirez. Allez, 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 allez. Oh là là. Il va à égalité là pour l'instant. Ok, c'est bon pour Laura. Personne ne m'a encore vu. Bonjour à toutes, je vous attendais à l'hôtel Paradis Beachcamber. Et vous avez bien fait de vous arrêter car le Morne, c'est l'emblème de l'île Maurice. Je vous souhaite à toutes la bienvenue pour cette 6e édition de la Beachcamber Aventure. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Oui. La Beachcamber Aventure, 6e édition, ça commence maintenant. La direction, c'est par là. La première épreuve, c'est tout de suite. Venez avec moi. Bon, mesdames, mesdemoiselles, votre Beachcamber, elle va commencer là, regardez. Ouais. Dans le lagon. Et vous allez disputer une épreuve qui fait surtout appel à votre sens de l'équilibre. Ce jeu, c'est le pied bascule. Un pied sur le rondin, un pied sur la planche au niveau de la partie blanche. Et vous voyez qu'à l'extrémité de la planche, il y a des poteries qui sont en équilibre. Dès que vous bougez trop, les poteries tombent et votre épreuve, elle est... terminée, fichue. Donc il va falloir tenir le plus longtemps possible. Est-ce que chacune d'entre vous pense être la meilleure? Oui! Ah, il y en a qui n'ont pas répondu. Adèle? Au taquet, moi, au taquet. C'est sûr, hein? Au taquet. Les 6 premières, vous allez vous mettre derrière un plot. Les autres, votre heure viendra. Attention en position. Un pied sur la planche, d'abord posé. On soulève. Pour l'instant, ça tient, mais ça bouge beaucoup. Morgane, ça se stabilise. Laurent s'est concentré. Géraldine, on dirait une danseuse étoile. Ah, Nathalie, c'est terminé. Vous pensiez tranquillement arriver à l'hôtel Paradis. Finalement, vous êtes là sur la première épreuve. Ça a l'air compliqué. Hop, 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 Morgane. Oh là là là, oh là 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 là. Morgane, en tout cas, la plus belle des figures, elle est pour toi, c'est sûr. L'épreuve se corse considérablement puisque vous avez maintenant à maintenir en équilibre 3 pots. À mon top, bras tendu vers le haut, vers le ciel. Top! Tendu, 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 tendu. Géraldine, c'est fini! Je vais vous demander de vous mettre sur la pointe du pied sur la planche. Allez, pointe, 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 pointe. Et on ne bouge plus. C'est terminé pour Laura. En fait, ça fait une grande mal toutes les jambes. Alex, Laurence, le pied, Alex. Et les bras en l'air, mesdames. Top. Allez, on baisse pas le pied, on reste, on reste. Et la victoire, elle est pour Laurence. Bravo. Oh my God. La Belgique. Vive la Belgique. Bravo. Je me suis demandé à quel moment j'allais tomber. D'ailleurs, à la fin, je tenais plus les bras en l'air. Donc, non, vraiment super. Allez, mesdames, un pied sur le bio, un pied sur la planche, on soulève. Allez-y, soulevez. Elodie est déjà... Oh!
paix, Adèle. Tu gagneras pas la bouteille de rhum. C'est pas grave. Peut-être la deuxième. Elodie, elle aime se faire peur, ça se voit. Andrea, on l'imagine déjà super concentrée. Andrea, c'est fini. Aïe, 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 aïe. C'est fini, Alexia. L'équilibre avec le vent. Ça, c'était le plus dur. Allez, la victoire, soit pour Sandra, soit pour Émilie, soit pour Elodie. Émilie, elle a toujours la banane, elle se marre. Mesdames, ça va devenir un peu plus difficile parce qu'on va décaler légèrement vos deux poteries. Attention, c'est plus difficile. Ah, malheureusement, Elodie, c'est terminé. Je vais vous demander de mettre une main devant vos yeux pour cacher complètement la vue. Oh, c'est fini, Émilie remporte la seconde manche. Bravo. Les deux finalistes, mesdames, sont Émilie, gagnante de la seconde manche, et Laurence, qui s'est imposée dans la première. Émilie, prête? Oui. Pour cette finale, Laurence, prête? Oui. Il faut faire avec le vent, qui est un élément perturbateur. Allez, histoire de vous mettre en condition, on lève les bras, top! Ah là, ça devient plus difficile. Trois poteries, il faut surveiller vos poteries comme le lait sur le feu. Un petit rhum arrangé. Voilà votre perspective en cas de victoire. Attention, on va lever les bras. Tu pensais vivre ça dans le lagon comme ça? Pas vraiment, non. Reste concentré si tu veux gagner le rhum arrangé. Tu penses à quoi? Je pense à Maud qui compte, donc j'essaie de faire pareil. La gagnante de l'année dernière. Je vais maintenant vous demander de vous mettre sur la pointe du pied droit pour faire avec le vent. Hop! La victoire, elle est pour Laurence! Bravo! Et quelle première épreuve! Déjà beaucoup de talent, beaucoup de compétition. Laurence, bravo! Félicitations! Kimberley et le rhum arrangé de l'île Maurice. Vous avez bien mérité un petit déjeuner face à ce lagon et face aux mornes. Vous vous rendez compte? Le bonheur, sous le soleil, bon appétit. Et ensuite, promis, on va au paradis. Bon, vous êtes encore 12 face à moi, les meilleurs agents de voyage français sur les hôtels Beachcomber à l'île Maurice. Je voudrais vous présenter quelqu'un, c'est le président de Beachcomber, monsieur Gilbert Espitalier-Noël. Donc moi je voudrais quand même au nom du groupe Beachcomber vous accueillir pour cette sixième édition, donc bienvenue chez nous. Vous avez été choisi parce que vous avez cru dans le paradis et dans la marque Beachcomber, donc pour cela... vraiment, vraiment merci de nous avoir fait confiance et passez de bons moments. Merci. Merci. Sachez qu'il y aura donc deux équipes, une équipe jaune et une équipe verte. Dans l'équipe verte, la première que je vais appeler, c'est celle qui a gagné ce matin. C'est Laurence. Dans l'équipe jaune, je pense à celle qui a souffert dans sa chair. Morgane. Adèle, Nathalie, Géraldine rejoint l'équipe de Laurence et d'Adèle. Dans l'équipe jaune, j'appelle Alexia. Elle était finaliste tout à l'heure, c'est Émilie. Alex sera jaune également. Dans l'équipe verte, Sandra, Andrea, Elodie, tu es verte. Et Laura, évidemment, dans l'équipe jaune. L'objectif dans chaque épreuve, c'est de remporter la tortue, symbole de cette Beachcomber aventure. Elle est belle? Oui, elle est belle. Vous la voulez? Oui. Ben pour ça, il faut gagner. Face à moi, j'ai donc six aventurières vertes, six aventurières jaunes. Mais pour qu'une équipe soit au complet, il faut qu'elle soit emmenée par un capitaine. Bon, on va commencer par l'équipe verte. Va vous rejoindre maintenant.
quelqu'un qui a marqué l'histoire de Koh-Lanta. Ah, c'est Maud, c'est Maud. La dernière gagnante de Koh-Lanta, Maud. Alors l'équipe jaune, vous doutez bien que vous allez vous aussi avoir un capitaine, un aventurier, un vrai. Laurent. Laurent qui a gagné Koh-Lanta, évidemment, mais qui a gagné aussi Danse avec les Stars. Les jaunes, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Les verts, on veut vous entendre. Ouais. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit, une très belle Beachcomber aventure. Rendez-vous demain. Respirez, n'oubliez pas de respirer, c'est le plus important. Et soyez en accord avec Sud Devant. Bonjour à tous. Bonjour. C'est le beau temps, c'est le morne qui est juste derrière vous. Ça tombe bien parce qu'il va falloir aller de l'autre côté. Regardez cette baie, elle est absolument sublime. Et est-ce que vous apercevez là-bas au loin la plage? La ligne d'arrivée, elle est là-bas. Il y a trois kayaks, biplace et un kayak monoplace par équipe. Et l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible, mais en équipe. L'équipe qui l'emportera sera celle qui placera ces quatre embarcations au-delà de la ligne d'arrivée en premier. C'est la première épreuve par équipe et il va falloir la remporter pour marquer ce premier point. Les verts, est-ce que vous avez envie de gagner? Ouais. Les jaunes, est-ce que vous êtes au top? Ouais. Mettez-vous sur la ligne de départ. Attention, 3, 2, 1, go! Yeah. Pour l'instant, avantage à l'équipe jaune. Ouais, c'est bien là, allez! On voit que Maud encourage un bon capitaine. Super. Équipe jaune en deuxième position. Oui. On est à mi-parcours. Allez les filles, allez Laura, allez Morgane. Équipe verte en troisième position, ça revient derrière. Vous avez fait les deux tiers. Laurent, le capitaine qui encourage le dernier bateau jaune, mais pour l'instant les jaunes, vous avez l'avantage. Allez Sandra, allez Géraldine, vous êtes bien partis pour l'emporter, mais il ne faut pas faiblir. Allez! Allez! Formidable travail de Maud, capitaine. Rien n'est perdu, les filles, mais rien n'est fait. On est à la fin, rattrapez-les. Allez, plus fort maintenant, on se fait mal. Allez Adèle, allez Laurence, il faut passer avec le kayak la ligne d'arrivée. Il faut passer avec le kayak. Yeah. Ouais. Bravo. Yeah. Morgane, Laura, premier bateau jaune. Allez, 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 allez. Émilie, Élodie. Allez, le deuxième bateau jaune, magnifique, jusqu'au bout. Le dernier bateau jaune, celui de Laura. La victoire pour les jaunes, bravo. On passe la ligne. Bravo! Ouais. Bravo, tu t'es battu contre toi, ma vieille. C'est bien, t'es arrivé au bout. Et on peut la féliciter, hein? Ouais. L'équipe qui a été la plus forte, c'est l'équipe jaune. Bravo! Félicitations! Avec au premier chef, le binôme Morgane-Laura, qui prend la deuxième place. La tortue revient à l'équipe jaune qui marque le premier point de cette sixième édition, bravo! Ouais. Sous le soleil, plage de sable blanc, mer turquoise derrière, pour finalement, sur cette seconde épreuve, récupérer ce que vous allez manger ce soir. Ouais. Qui veut manger de la langouste? Ouais. Vous allez partir récupérer une langouste à la verticale des bouées qui sont devant vous. C'est l'équipe qui aura placé ses 7 langoustes dans son panier qui l'emportera. L'équipe jaune mène 1-0. Les verts, si vous voulez égaliser, il faut vous montrer sur cette épreuve plus rapide. OK? Attention, 3, 2, 1, go! Allez! Allez, pour l'instant, léger avantage à Alex. Arrive au niveau d'Anas. Allez, 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 all
Allez, à bientôt. Top, bien. Allez, c'est bien, Adèle, bravo. Laurence au départ pour les Verts. Elle a perdu sa langouste. Tu vas prendre le relais de Morgane qui rapporte sa langouste. C'est parti. Quatrième langouste récupérée de chaque côté. Léger avantage à la tribu verte. Vous allez avoir 20 secondes de pénalité pour ne pas avoir apporté vos deux langoustes. Attention, top, c'est parti, Boone. La victoire est pour les jaunes. Les deux dernières, elles étaient cachées. J'arrivais pas, je me suis dit merde. Bon, la tortue, elle va revenir une nouvelle fois à l'équipe jaune. Ça s'est joué à pas grand-chose. Celle qui vous a emmené vers le chemin de la victoire, c'est Alex. La première à partir. Alex, pour l'ensemble de l'équipe des jaunes, bravo. Bon, c'est déjà la troisième épreuve. Et là, c'est votre sens de la précision qui peut faire la différence. Maud, c'est le moment de trouver les mots pour transcender ton équipe, pour lui permettre de réduire un peu l'écart. Épreuve de tir à l'arc où il va y avoir évidemment votre talent, mais pas uniquement. Ensuite, ce sera de la stratégie. À chaque fois, vous allez tirer celle ou celui qui aura la flèche la plus proche du centre, permettra à toute son équipe d'éliminer chez l'adversaire une personne. Plus vous affaiblirez l'adversaire, meilleures seront vos chances de gagner. Première salve, armée, visez, tirez, tirez. La flèche la plus proche du centre, c'est celle-ci. Elle appartient à Laurence. Qui choisissez-vous de faire sortir? Laurent, vous enlevez le seul garçon, vous enlevez le capitaine, ça peut les déstabiliser. Tirez. Ils ne sont plus que six chez les jaunes. Armée, visez, tirez. La meilleure flèche appartient à Nathalie. Laurence, pourquoi Laurence? Tirez. Tirez. Et pour la deuxième fois, c'est Nathalie. On a décidé d'éliminer Géraldine. Géraldine, tirez. Émilie. Alors on a décidé d'éliminer Nathalie. Qui a été deux fois la meilleure, tirez. Elle appartient à Elodie. On a choisi Alexia. Tirez. Oui, elle a le droit de danser. Alex. Émilie. Émilie, Laura, Elodie, victime de son talent, tirez. C'est Morgane. On va éliminer Maud. Tirez. Sandra est la meilleure. Alex a du talent et Alex est éliminé. Tirez. Sandra, une nouvelle fois. Laura, c'est terminé. Deux jaunes, Morgane et Andrea, face à Sandra et Adèle. Tirez. La flèche la plus proche, c'est celle-ci. Elle appartient à Andrea. On a décidé d'éliminer Sandra. Adèle est la finaliste verte. La règle évolue puisque vous disposez chacune de trois flèches. Et la victoire va donc se jouer au meilleur des trois flèches. Tirez. Armée. Tirez. L'avantage est pour Morgane. Mais la deuxième flèche d'Adèle est dans la cible. Tirez! La victoire pour l'équipe jaune! C'est la tortue de la Beachcomber Aventure et elle va repartir une nouvelle fois avec l'équipe jaune grâce à la finaliste,
Morgane, bravo. Pour l'ensemble de l'équipe. N'a pas pensé qu'il nous pas bizarre tout ça là. Mais si paré. C'est la vague. Bon, en tout cas, hey, passez une super soirée. Il y a de la musique, il y a de très bons breuvages, il y a des langoustes, celles que vous avez pêchées ce matin. Il y a du cochon de lait, enfin bref, il y a tout ce que vous voulez pour passer un moment d'anthologie. N'oubliez pas que demain, ça commence fort avec encore plusieurs épreuves. Passez une belle soirée. Essayez de mettre une bonne humeur, que tout le monde se détende. Et puis, bah, ça a fonctionné, on a passé une super journée, on a gagné toutes les épreuves. Mais rien n'est fini. Mais en tout cas, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'échanges. Peu importe le résultat, de toute façon, on passe un super moment tous ensemble. Ce qui est d'abord, c'est les gens. C'est la motivation des gens, c'est incroyable. Ils sont vraiment prêts à vivre l'aventure à fond. Et dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir des gens vraiment qui se dépassent. Et je trouve que c'est bien, qu'ils sont respectueux les uns des autres. Et moi, ce que je dis toujours, c'est être plus fort que soi. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont surpassés. Et ça, c'est vraiment tout simplement fabuleux. Que chaque aventurier soit fier de ce qu'il a fait. Et je pense que pour le moment, en tout cas, il peut l'être. Femme, 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 même qui vitrait pour nous. Quand on n'a pas la pour moi, mon pour faire, mon pas pour errer. Femme, femme, femme. Oh, ma mère. Et j'espère que vous avez bien dormi, en tout cas vous avez la banane, donc c'est tant mieux. Et ça tombe bien, parce qu'on n'est pas très loin de la première épreuve. Vous êtes prêts? Oui. Venez avec moi. Les aventuriers, dernière journée d'épreuve, avec pour l'instant une équipe jaune qui domine. 3 victoires hier. Je vais convoquer solennellement les 2 capitaines à ma droite et à ma gauche. L'aventure, c'est aussi de découvrir vos capitaines, de mieux les connaître. Par conséquent, ils vont changer d'équipe. C'est pas vrai. Maud, à partir de maintenant, tu deviens capitaine de l'équipe jaune. Et à l'inverse, Laurent, tu l'as compris, tu deviens capitaine de l'équipe verte. Alors, sur cette épreuve, il va falloir faire preuve de cohésion entre cette plage de sable blanc et la mer. Dans chaque tribu, vous allez disposer d'un bambou comme celui-ci. Il y a 4 trous. Il va falloir aller chercher de l'eau pour en rapporter un maximum afin de verser cette eau dans votre seau. À chaque fois, vous partirez à 2 avec le bambou. Et vous allez vous relayer. Ça paraît facile comme ça. Le problème, c'est qu'il y a 2 obstacles. Parfois, il va falloir passer en dessous. Parfois au-dessus, donc l'eau va tomber. Ne confondez surtout pas vitesse et précipitation. 3, 2, 1, go! Allez, on passe dessous, dessus les filles. On met dans le seau. Et on passe le relais. Je vous rappelle que ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de précision. Dessus partout. Et on verse. Ne perdez pas d'eau. Allez. Il ne restait pas grand-chose. Andrea, Laura. Je rappelle que ce n'est pas une course de vitesse. Gardez un maximum d'eau. Nickel, nickel. On avance. À son aise, à son aise. Doucement. À son aise. Doucement. Jusqu'au bout. Ouais, c'est bien ça. Allez, c'est dessous. Dessus. À nouveau dessous. Pensez bien que c'est pas une course de vitesse. 2e obstacle. On passe toujours dessus. Dessus. Allez, Elodie, Sandra sont partis. Elodie, Sandra, il vaut mieux un aller-retour plus lent avec beaucoup d'eau. Allez, gardez l'eau, gardez l'eau, gardez l'eau, gardez l'eau. Doucement, doucement. Allez, go! Allez, c'est peut-être maintenant qu'on est en train de construire la victoire.
On continue. Allez, les amis. Attention, 45 secondes. 45 secondes. Là, gardez-le, gardez-le. Ah, c'est pas mal, ça. 20 secondes. 20 ans, 20 ans, allez, allez. Voilà. 10 secondes. Attention, 3, 2, 1, stop. Ça se joue à pas grand-chose, mais à l'œil nu, ça se voit. La victoire, elle est ce matin pour les jaunes. D'ici quelques minutes, vous allez disputer une épreuve qui restera, croyez-moi, gravée dans votre mémoire toute votre vie. Cette fois-ci, échauffez les papilles gustatives, ça peut servir. On est au paradis, au sens propre comme au sens figuré, sur cette plage avec un temps exceptionnel. La dégustation, regardez, il n'y a absolument rien à enlever. Quand vous allez vous présenter, puisque c'est un relais, vous choisissez ce que vous mangez. Dès que vous avez terminé votre plat, vous tirez la langue pour donner le top départ au suivant. Alors chef, on commence par ça. Ça c'est quoi? Ça sont les larves de mouches jaunes. On est vivantes. D'accord, elles sont vivantes. Vivantes. De la graisse de wagyu. C'est-à-dire de la graisse de bœuf. Ça c'est quoi? Des œufs de dorade, coryphène. Un foie de thon. Et ça, ce légume, c'est quoi? De la margose, un petit peu comme le cornichon. Alex prête? Sandra prête? Go! Allez, allez Alex, allez, c'est allez. Bon, c'est délicieux, c'est délicieux. C'est bien, c'est bien, côte de bœuf. Allez, c'est bon. Allez. Allez, allez, avale, avale. Vous êtes quasiment à égalité là pour l'instant. Le deuxième pour Alex. Ok, c'est parti. Le ventricule. Allez, Sandra. Alexia, le ventricule, avantage au jaune pour l'instant. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Nous avons Andrea maintenant avec le foie. Allez, allez. Ok, c'est parti. Géraldine, le ventricule. Laura. Sur la tête. Ça fait une machine. C'est rien, c'est bon, c'est bon. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Ok, c'est bon pour Laura. Les jaunes sont en tête. Difficulté pour Géraldine. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Ok, Nathalie. C'est bien. Allez, 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 allez. Attention. Il en reste quelques-uns, hein, Morgane. C'est génial. T'as dit ? Ok, c'est bon. Hé, hey, Maud, c'est de la graisse de wagyu. Attention, la victoire pour les jeunes. Les jaunes, grâce à votre victoire, vous avez marqué un point, ce qui fait au total 5. La finale, je double les points. C'est 2 points à gagner en finale. Et dans chaque équipe, vous allez avoir la responsabilité de choisir 2 personnes qui porteront leur équipe. Les 2 plus courageux. Après le foie, l'œil. Et à côté, l'œuf pourri ou l'œuf de 100 ans. Dans chaque équipe, nous avons une agent de voyage. Adèle d'un côté, Alexia de l'autre et le capitaine. Laurent pour les verts, Maud pour les jaunes. Attention, go! Top Laurent! Allez Laurent! Allez, vas-y, Laurent, allez, Laurent. Pour l'instant, avantage à l'équipe verte qui va peut-être marquer ses premiers points. Oh là 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 là! Bravo! La victoire, elle est pour les verts! Les verts, j'ai envie de dire enfin 2 points pour cette finale remportée. Adèle, j'imagine que c'est un vrai soulagement d'apporter ta pierre à l'édifice, permettre à l'équipe de gagner. Oui, on est fiers d'elle. Ouais. C'est une machine de guerre, en fait, cette fille-là. Bon, les amis, vous êtes aussi venus sur cette Beachcamber aventure pour vivre des moments comme celui-ci, l'épreuve de la boue. Vous allez partir en binôme, vous jeter dans la boue, revenir en effaçant les obstacles pour placer la boue dans les seaux. L'équipe qui aura le plus de boue dans son seau remportera cette épreuve. Mettez-vous en place, est-ce que vous êtes prêtes? 3, 2, 1, go! Allez, allez, allez! Allez!
Attention, top, c'est parti, Laurence, Émilie. Et ce qui est important, c'est les cheveux. Allez, Émilie, Laurence, ça va passer le relais. Et on est parti avec Alexia. Allez, Alexia est en train de revenir, Nathalie juste derrière. Allez, c'est reparti, Maud et Alex. L'équipe jaune et l'équipe verte sont à égalité. Allez, Adèle, Le dos. Chaque gramme de boue va compter. Top, c'est parti. Oui, ça c'est beau. Allez. N'oubliez aucune partie du corps. Allez, Andrea, il reste 5 minutes. N'oubliez pas que vous pouvez être deux. Là, tu repars dans ma maxi. Donc, c'est parti. Plus vous avez réussi à vous enduire, meilleur est le passage. Wouh, 3 minutes pour faire la différence. Mais là, faut qu'on y aille. Pensez au temps, il ne vous restera pas forcément un aller-retour. Une 30. Allez, dépêchez-vous si vous allez voir le temps. 40 secondes. Allez, Nathalie. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. Bon, les amis, difficile de savoir qui est jaune, qui est vert. Néanmoins, vous savez, la compétition est de plus en plus âpre. Suspense total, qui a placé le plus de boue dans son seau. Verdict, maintenant. Attention, verdict. La victoire pour les Verts. Je sens une énergie. J'ai l'impression que plus les épreuves passent, plus vous êtes en forme, plus vous êtes guerrier et guerrière. Et ça tombe bien parce que là, vous en avez rêvé et ils sont derrière moi. Rendez-vous compte, les poteaux de la Beachcomber Aventure. Un poteau par personne, sauf pour les capitaines. Écoutez-moi bien, celle qui reste le plus longtemps en équilibre sur son poteau fait gagner toute son équipe. La victoire, c'est 2 points. Par conséquent, si les jaunes l'emportent sur les poteaux, alors ce sera une victoire globale des jaunes. En revanche, si les verts s'imposent, alors les jaunes et les verts seront à égalité, 5 points partout. Allez vous mettre en place. Attention, l'épreuve des poteaux de cette 6e édition de la Beachcomber Aventure, c'est parti. Allez, on peut se servir de ses bras. Allez, Adèle. Nathalie, ça a l'air d'aller. Alexia, ça a l'air d'aller. Sandra, malheureusement, c'est terminé. Nathalie, c'est terminé. Allez, pour l'instant, 2 éliminés verts et 2 éliminés jaunes. À mon top, ça va devenir plus difficile car je vais vous demander de tendre les bras vers le ciel. Et on laisse tendu les bras, Andrea. C'est fini pour Émilie. C'est fini pour Alex. C'est fini pour Morgane. Laura, c'est fini. Face à Andrea, 3 vertes. Là, il y a du niveau. Élodie, malheureusement, c'est terminé. Laurence, c'est terminé. Une verte Géraldine face à une jaune Andrea. Je vais vous demander à toutes les deux de faire un tour complet sur vous-même. La victoire pour Andrea! Les jaunes,
grâce à la victoire d'Andrea, vous l'emportez 7 points à 3 face à l'équipe des Verts. Et Andrea, les poteaux et le totem. Voilà la tortue. Agents de voyage, deux ambassadeurs, deux capitaines. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez vécu une aventure qui n'a pas duré 3 jours, mais qui a duré des semaines. Tant les épreuves ont été intenses et votre motivation énorme. Toi qui as vécu 2 Koh-Lanta, qui en a gagné un, qui a été finaliste de l'autre, comment tu as vécu cette beachcamber aventure? J'ai retrouvé un petit peu les aspects et les situations que se sont passées dans Koh-Lanta. Le surpassement de soi, la complicité, la combativité, la compétition, des moments pas forcément de victoire, mais aussi de défaite, ou des moments d'entraide. En tout cas, c'était vraiment un honneur d'être parmi vous ce soir. Ok, les points sont là, mais il y a plein de choses qu'on a vécues et qui sont malgré tout des gains pour chacun ou chacune. On a vécu quelque chose d'authentique, un rêve. On a pu tenir le totem, pas très longtemps, mais une super expérience. J'ai vécu un rêve, moi aussi, comme Elodie. On est capable de faire des choses qu'on ne soupçonne pas une seule seconde dans la vie de tous les jours. On se lie très vite d'amitié, on fait des rencontres qu'on ne ferait pas dans notre vie quotidienne aussi. Il restera de cette aventure vraiment la notion d'amusement, en fait, et de dépassement de soi aussi. Il y a une union, et ça fait que ce moment reste unique, gravé. Tout le monde avait envie de soutenir, que ce soit les gens de leur équipe ou même les autres. Et ça, j'ai adoré. Vous êtes 12 plus 2, c'est-à-dire 14 à voter maintenant. Alors, c'est un vote individuel, c'est un vote en votre âme et conscience pour élire celle qui a marqué en quelque sorte cette 6e édition de la Beachcamber Aventure. Le premier bulletin. Adèle, Andrea, Nathalie, Émilie. Et 4 bulletins dépouillés et 4 prénoms différents. Adèle, Andrea. Nouvelle égalité, 2 voix Andrea, 2 voix Adèle. Adèle, Andrea. C'est serré, c'est chaud. Andrea. Pour la première fois, Andrea prend l'avantage. Adèle. Il reste 4 bulletins et la victoire se dessine soit pour Andrea, soit pour Adèle. Adèle, Adèle, Andrea. 6 voix pour Adèle, 5 voix pour Andrea. Il reste 1 bulletin et il peut être décisif. Adèle, Andrea, Andrea, Adèle. Adèle! Bravo! Adèle, grande gagnante de cette Beachcamber Aventure, ici au paradis. Au nom de tout le groupe Beachcamber, bravo, félicitations.